リンクスタート。Et donc bonjour les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et donc comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur Sword Art Online, Memory des Frags, et oui, parce qu'aujourd'hui même, 31 août 2019, eh bien, c'est les 3 ans du jeu, regardez-moi ça, la town, la ville a totalement changé pour fêter ses 3 ans et tout, il y a plein de nouveaux portails avec des persos hyper stylés, et plein de portails aussi gratos et tout. Et donc vous l'aurez compris les gens, on va tout simplement faire une vidéo où on va faire masse invocation et essayer d'avoir des putains de personnages. Donc c'est parti, on y va de suite. Voilà, il y a vraiment tellement de choses à faire. Déjà là apparemment, on a 3 essais gratuits de 11 personnages à chaque fois où l'on peut avoir le fameux Kirito qui est sorti là avec EGO, et donc ensemble ils font une attaque en duo que je vais vous montrer juste après, où on peut aussi avoir la Asuna et la Yuki qui elles aussi vont ensemble pour faire une attaque duo, et donc ça c'est vraiment énormissime quoi. On peut vraiment les avoir là, on a 3 chances gratuitement de les avoir. Ensuite après à côté on peut avoir d'autres persos là avec un 6 étoiles garanti parmi ces persos là. Ensuite, on a l'occasion de faire une invocation à 250 pierres pour avoir obligatoirement un des persos que je vous ai montré juste avant. Et après, sinon, on a le fameux portail, comme on connaît tous, avec 125 pierres au début, puis ensuite 250, etc. Du coup, vous l'aurez compris, les gens, tout dépend une fois de plus de ce qu'on va recevoir là maintenant. Si après, vous savez ce que je fais, hein, voilà. Tout dépend de ce qu'on va recevoir ici. Je vais faire les 3 invocations gratuites ici, l'invocation gratuite là, et l'invocation avec un portail garanti, enfin un personnage garanti ici même à 250. Et si vraiment l'envie m'en prend, je vous retrouverai juste après pour peut-être refaire une invocation sur ce portail là. Ça dépend une fois de plus de ce qu'on va réussir à choper. Donc allez, je vais vous montrer vite fait vraiment le délire. Donc ces nouveaux personnages, ces 3 ans sur SAOMD introduisent aussi les attaques en duo. Donc clairement, j'avoue que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus stylé, d'un peu plus spectaculaire, mais ça reste très sympathique tout de même. C'est parti, je vous montre ça tout de suite. Je sais pas comment ça se passe. On va activer la SS3 du Kirito. Et donc là voilà, on peut appuyer directement sur le EGO. Et donc voilà, ils attaquent en même temps. Mais vous avez vu, c'est très rapide. Et c'est ça qui m'a dérangé un peu, c'est que c'est très rapide. Alors après, on a un bonus, là, je vois. On a un bonus qui s'est rajouté. Alors, je sais pas quel est ce bonus, il a disparu d'ailleurs. Faudra que je me renseigne, voir ce que c'est que ce bonus, parce qu'il a l'air nouveau. Mais voilà, quoi, c'est vraiment, quand on utilise la SS3, on peut activer ou non, ça dépend. Voilà, vous avez vu, là, je l'ai pas fait, donc il fait son attaque tout seul, et le Kirito qui suit, quoi. Voilà. Ça dépend vraiment, on peut l'activer ou non. En tout cas, les SS3 sont très stylés avec le Giga Cedar et tout qui apparaît derrière. Et donc, ensemble, voilà. C'est stylé quand même. C'est stylé. C'est stylé, mais je trouve que c'est trop rapide. Ensuite, on a le duo Asuna et Yuki, bien entendu. Hein, le fameux duo de Mother Rosario. Et là aussi, hein, avec son attaque qui s'appelle Eternity Rosario. Très très beau nom, franchement super nom. Et là avec Yuki, voilà, c'est sympa aussi, c'est sympa aussi, voilà. Et Precious Rosario quoi, voilà, vraiment une fois de plus ce fameux bonus, je sais pas ce que c'est mais voilà, mais c'est sympa franchement. Je m'attendais un peu mieux, mais ça reste tout de même une nouveauté dans le gameplay qui va faire, je pense, très plaisir, surtout en multijoueur. Si vraiment plusieurs joueurs utilisent en même temps le duo, je pense que ça peut vraiment partir dans tous les sens et être hyper stylé. Donc c'est parti les gens, on va faire une invocation. Bien sûr, je ferai aussi sur les armes, hein, ça dépend une fois de plus de ce que je vais recevoir dans ces portails là. Mais on commence avec une première invocation gratuite. Allez, on croise les doigts, on va voir si on a de la chance ou non. Là apparemment ce n'est pas vraiment le cas parce que il y a... Oh attention, peut-être que je l'ai parlé trop vite. Même s'il fait pas nuit et tout, on sait jamais. Eh non, malheureusement c'est une 5 étoiles ou une 6 étoiles. Oh.
Ok, une Diffa en mode ninja à la 4 étoiles. Pourquoi pas. Ah, le petit Aguil. Alors oui, comme dit forcément, vu que c'est des invocations gratuites, je sais pas si le drop est le même que dans une invocation où on paye des cristaux, quoi. Je me pose la question tout de même, hein, parce que sinon, je pense que ça serait très simple. Hein. Le meilleur, vous me direz, ça serait d'avoir au moins les 4. Asuna, Yuki, Kirito et Eugeo. Après, si vraiment, le minimum pour moi, ce serait d'avoir Kirito et Eugeo. Ça serait le minimum. Même si j'aime énormément Asuna et Yuki aussi, mais... Voilà, je préfère quand même un peu Kirito et Eugeo. Après, j'ai pas forcément bien regardé leurs stats. J'ai pas vu ce qu'ils avaient comme stats. Mais voilà, quoi. Ça serait très sympa, quoi. Surtout qu'en plus, j'ai des pierres d'eau, là. Si vraiment, je peux faire monter le Eugeo de 5 levels. Alors, là, voilà, rien du tout, hein. C'est comme je vous l'ai dit, y'a rien du tout. Le sourire de Argo, c'était juste pour la 4 étoiles. Y'a que dalle. Allez, on passe. Voilà, juste la Leaf à 4 étoiles, qui est sympa et tout, mais bon, voilà, hein, c'est 4 étoiles, donc c'est pas ouf. Alors, 4208, 3090. Ouais. Ah ouais. Ok. Donc le duo Asuna et Yuki a l'air quand même assez haut, quoi. Surtout la Asuna qui a quand même 4230 d'attaque et 3708 de critique. Hein. La Asuna a l'air vraiment très puissante comparée aux autres. Mais ouais, voilà. Au pire, comme dit, hein, si je peux avoir les 4, c'est le principal. Mais voilà. On verra bien ce qu'on a. Ce qui est sûr, c'est que je prendrai ce qu'il me donne, hein, clairement. Allez, on y va avec la deuxième invocation. Attention des étoiles. On voit la Incra de l'extérieur. Donc. Il y a des chances qu'on a une 6 étoiles. Ce n'est pas sûr, mais il y a des chances. Ah, ok. Le petit Aguil, 3 étoiles. On s'en fout. Allez, on continue. On a forcément, je crois, une 5 étoiles, mais on peut avoir une 6 étoiles aussi. On va bien voir. Une fois de plus, Aguil, je sais que tu aimes beaucoup, mais... Voilà, ce n'est pas toi que je veux. La petite Asuna, toi aussi, t'es sympa, mais... Ce n'est pas toi que je veux, c'est ta sœur. Ok. Oh merde, j'ai appuyé. Et voilà. Oh, très mignonne la silica avec le petit Pina là. Sympa. J'avoue que j'ai beaucoup de silica, mais celle-là je l'avais pas. Donc ça fait plaisir. Voilà, je fais une petite collection de silica quoi. Ok, on continue. Par contre, j'espère. Oh là là. S'il a eu les étoiles et l'Incrad de l'extérieur juste pour cette silica. Ça serait quand même un peu abusé, quoi, franchement. Ah, ça me ferait chier d'avoir aucun des 4 dans ces portails gratuits, quoi. Et de devoir attendre les 250 pierres. Ah, ouais, ça fait chier, hein. Franchement, je sais pas à combien est le drop, mais... oh là là. Très sympathique, là, la silica, là, avec sa tenue. Et le Pina avec son trèfle à 4 feuilles, là. Allez, dernière invocation gratuite. Oh, il sourit, il y a des étoiles, la Incrad de l'extérieur. Est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? On va voir cela. La petite Argo. Ok. On continue. Le Diabel qui veut pas boire la potion et qui préfère crever. La petite Lisbeth avant qu'elle se teint les cheveux en rose. La Shinon à l'off. Et donc la Shinon 4. Toujours rien. Encore une fois, la Lisbeth qui vient nous dire bonjour. Toujours rien, putain. La Sachi. Ah, allez, allez, on croise les doigts. Allez, s'il vous plaît, un des persos du portail. Ah, putain, non, non. Ah. C'est vraiment... Oh, sympathique, une belle Shinon. Je connais quelqu'un qui aime beaucoup Shinon, qui fait partie de ma guilde. Et donc, je pense que si on regarde cette vidéo, il va être content de la voir, celle-là. Mais merde quoi, fais chier quoi. En vrai c'est ça, c'est comme dit les mecs, ils te proposent 3 invocations gratuites où tu peux avoir les persos, mais au final le drop il doit être moisi quoi. C'est pas possible, je vois pas ce que c'est d'autre hein. Ou c'est moi qui ai vraiment pas de chance. Si regardez-moi ça quoi. Les 3 invoques, aucun des 4. Bon tant pis, on va faire maintenant cette invoque là où on a un 6 étoiles garanti, mais après. C'est pas non plus des persos de ouf quoi, c'est vraiment c'est les tout premiers 6 étoiles qui sont sortis et tout. Donc c'est parti, on le fait quand même.
Alors, quelle 6 étoiles je vais avoir? Le Kirito double épée serait sympa, vu que je l'ai déjà. Et au moins, je pourrais le faire monter de level. Alors, attention. Qui vais-je avoir? Et... nice! Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, parce que... je l'avais déjà, donc j'ai 100 cristaux ténèbres. Et en plus, maintenant que j'y réfléchis... ce Kirito est ténèbres. Donc à la rigueur, les 100 cristaux, je vais pouvoir les garder. Et au moins, je vais les utiliser sur ce Kirito-là, quoi. Ouais, ça me paraît être une bonne idée. Donc du coup, vous l'aurez compris, vu qu'on a que dalle, on n'a rien eu du tout, là. Eh ben, je vais faire l'invocation avec un 6 étoiles garanti. Mais on peut en avoir plus, hein, comme dit, on peut en avoir plus. Mais on est sûr d'en avoir un. Et j'espère que c'est soit EGO, soit Kirito. Parce que comme je vous l'ai dit... j'ai 100 cristaux d'eau, donc ça c'est cool pour EGO, et j'ai 100 cristaux ténèbres pour Kirito. Donc c'est parti, on y va, 250 pierres, c'est parti, il pète. Alors, il fait même pas nuit, il fait rien du tout, donc je pense qu'on va seulement avoir le garanti, mais rien d'autre en plus, clairement. Allez, qui est-ce, s'il vous plaît? Si c'est Asuna Yuki, je suis très content aussi, hein. Mais... j'avoue que un Kirito ou un EGO, ça me ferait vraiment très plaisir. Allez, 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 on continue. Pour l'instant, il n'y a rien. Toujours rien. C'est bon, Rosalia. On a compris, on a compris. T'as voulu faire ta méchante et tout, mais t'es une merde. Allez, 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 allez. C'est toujours pas... allez, j'espère qu'après toi, Kirito, le Kirito du début, j'espère qu'on va avoir le Kirito d'Aïsiliation. Non, même pas. On a son pote Kibaou, hein. Ah là là, mais là on se tape tous les merdeux de Linecrad, là, allez. Ah, il a, elle va vraiment venir à la fin, la 6 étoiles, hein. À la toute fin. Allez, ça y est, elle est là. Allez, allez, Kirito, EGO, Kirito, EGO. Et c'est... Kirito! Nice! Heart of the Sword. Oh là là, nice. Ouais, Heart. Heart of the Sword. Oh, boum. Ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, le Kirito. En plus, il est vraiment beau. Hein. Il est vraiment bien beau, bien stylé. Ça fait super plaisir. Ça fait vraiment grave plaisir. Mais bon, au final, j'en ai eu que un sur les quatre. Et ça, ce n'est pas acceptable. Je n'accepte pas ça. Vous le savez vous-même, je n'accepte pas ça. Donc, les gens, je vous retrouve tout de suite pour une nouvelle invocation et tenter d'avoir au moins un des autres persos et surtout avoir le EGO parce que maintenant que j'ai le Kirito, j'avoue que j'aimerais bien avoir le EGO pour pouvoir faire une attaque en duo. Donc, c'est parti, les gens, je vous retrouve dans quelques secondes. Et donc, heureux, donc voilà, les gens, c'est parti. Donc là, dernière tentative, hein, après c'est fini, hein, clairement je farmerai le jeu normalement. Mais là, dernière tentative pour tenter d'avoir au moins le EGO, hein, clairement, c'est tout ce que je veux là maintenant, c'est le EGO. Voilà, c'est tout ce que je veux. Donc c'est parti, s'il te plaît le jeu, donne-le-moi directement et tout ira bien, voilà. Voilà, ouais. Au moins après je pourrais partir sur les armes et tout. Mais apparemment, le jeu veut me pisser dessus, parce que là, il n'y a rien. Voilà. Donc ça, c'est fait. Bon, ben on y retourne. Allez, 250. Des étoiles. On voit là une crade de l'extérieur, mais oh là là. Je sais pas de combien est le drop, mais... oh là 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 là. Putain, ça par contre, ça fout les boules, hein. Franchement, je sais pas de combien est le drop, hein, mais il a l'air tellement horrible. Mais horrible, vraiment. Allez, pas grave, on continue. Oui, non, c'est rien. Oh là. Ouais, génial, Alice. Oh, il y a encore quelque chose. Là, j'ai avancé, j'ai tout avancé parce que là, je suis désespéré. Eh putain, ta race. Et voilà. Voilà, génial, oh là là. Putain de merde, mais c'est une blague. C'est de la merde, oh là là, j'ai rien eu. J'ai rien eu. Bon, on va faire une invoque sur les armes du coup.
Ouais, faut que j'aille chercher. Ceux-là, j'ai pris des cristaux comme ça, là. Donc, hop. Pas grave, les gens. Bon, on se retrouve juste avec Akirito. Je farmerai pour avoir 200 pierres et pour retenter ma chance, hein. Je vais pas remettre de l'argent en plus dans le jeu, il est hors de question. Là, c'est juste un petit kiff, mais j'en mettrai pas plus. Oh! Ok, non, c'est pas pour une arme. Shoes and scoots. Sérieux? Non! On peut choisir! Oh! Mais c'est... Non! Mais c'est génial! Mais c'est trop bien! Waouh! Oh putain, bah alors attends. C'est trop bien, mais en même temps, c'est horrible! Il faut faire un choix parmi tous ces putains de persos! Oh merde, attends. Oh là là, je sais pas. Je sais que ce Kirito là, il est trop cheaté là. Le Kirito là, il est trop cheaté, je sais. Est-ce que je prends lui? Bah ouais, vas-y, hein. Je sais que c'est un Kirito cheaté lui. Est-ce que je le prends? En même temps, après, j'ai pas ses armes, j'ai rien quoi. Alors que je pourrais prendre un personnage que j'ai déjà. Et je pourrais au moins avoir des cristaux quoi. Pour faire level up. Oh putain le choix. Bon vas-y je prends celui-là. Allez c'est parti. Ah c'est trop génial. Ah c'est Noël. C'est un truc de fou franchement. De pouvoir choisir comme ça. C'est génial. Oh là là je me demande qui je vais avoir. Ah ce fameux Kirito que je voulais tellement quand il a été annoncé quoi. Quand il est sorti. C'est génial! Ah, c'est trop bien! Putain, on peut vraiment choisir quoi, qui on veut. Ah ouais, et y a la même chose pour les armes quoi, on peut choisir ce qu'on veut en armes. Mais c'est trop bien! Oh là là, attention, vous savez ce que ça signifie les gens? Quand j'aime quelque chose, vous savez ce que ça signifie. Voilà les gens. Je suis vraiment, mais vraiment le plus gros pigeon. Enfin, je dirais pas pigeon, non, parce que je me fais plaisir au final. Je me fais plaisir, mais quand même, je fais le mec en mode c'est bon, j'arrête cette fois-ci. Et voilà. En même temps, ce truc de cristaux là m'a tellement hypé, on va dire, que je me suis dit, bah vas-y, je vais prendre l'offre qui me permet d'avoir des cristaux, mais pour avoir une arme, les gens. Pour avoir une arme. Et donc, vous savez ce que ça signifie. Je viens de me prendre le Kirito. Donc, je me dis que. Ça serait sympa d'avoir directement l'arme qui va. Oh putain, on peut avoir toutes les armes! Oh, c'est énorme! C'est un truc de fou! Franchement, c'est trop bien! C'est trop bien! Voilà! Allez, on prend direct ces doubles épées! Hein, voilà! Au moins, on a le Kirito cheaté et en plus, on a ces putains d'épées! Ça, c'est fait! Déjà, je suis très content par rapport à ça! Mais vous le savez, à la base, pendant cette vidéo, ce que je veux, c'est un duo! J'ai eu Kirito, on va retenter pour EGO avec les chances augmentées, les étoiles dans les yeux, il tire la langue, il fait nuit. C'est parti. Allez, là, on en a forcément un. On en a forcément un, mais on a une chance sur quatre que ce soit EGO. C'est parti, il est peut-être là. On croise les doigts, c'est qui, EGO? Oui! Yes! Oh oui, hurle le Géo, hurle! Waouh, il a parlé tellement longtemps! Vous avez vu comme il a parlé longtemps? Oh là là, le Seiyuu! Le Seiyuu de Géo là, qui s'est donné à fond! Ah oh, yes! Yes! Voilà les gens, quand vous avez ça, vous n'êtes pas déçu d'avoir mis 24 euros dans le jeu. Quand vous avez ça, vous n'êtes pas déçu. De 1, j'ai mon duo, Kirito EGO. En plus, comme j'ai des pierres pour eux, je vais pouvoir les faire monter de level jusqu'au level 90, sûr et certain. Et donc, je vais pouvoir avoir mon duo, quoi. Sans oublier le Kirito Halo, hein. Sans oublier le Kirito Halo avec ses doubles épées et tout. Ah, je vais pouvoir me mettre bien, les gens. Je vais pouvoir me mettre très très bien. Et ça fait plaisir, hein. Oh là là là, je suis tellement content. C'est tellement un truc de fou. Ah! Ce n'est pas un 6 étoiles, mais. Ça, c'est cool parce qu'au moins, je fais un gros stock de cristaux. Là, maintenant, je fais un putain de stock de cristaux. Ah là là, comme je suis content. Mais comme je suis content, vous pouvez pas savoir. Hein.
Nice, le EGO quoi, qui va en duo avec le Kirito, et donc je vais pouvoir faire leurs ultimes attaques. Alors par contre il manque juste leurs armes, mais comme dit ça, il n'y a pas de problème, je vais farmer de mon côté, et je vais tout faire pour au moins avoir une des deux armes, et si vraiment, il n'y a pas de problème, j'ai de quoi faire au niveau des échanges, juste ici, voilà. Si par exemple j'ai envie d'avoir l'épée de Kirito et tout, eh ben j'ai juste à aller ici et là, j'aurai de quoi largement échanger pour avoir au moins une des deux épées quoi. Si vraiment j'en chope que une. C'est magnifique, je suis trop content. J'aurais mis de l'argent, oui effectivement, mais au final, j'aurais eu ce que je voulais, voire même plus encore avec le Kirito comme dit double épée juste ici. Qui est vraiment très cheaté et très utilisé. Et donc ça fait vraiment plaisir de l'avoir. Et comme dit surtout, j'aurais eu le magnifique Kirito. Voilà, juste ici, le petit Kirito hyper stylé. Qui pourra faire sa putain d'attaque en duo avec le EGO. Voilà les gens, je vous remercie pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et sinon, et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle. Très bonne journée, très bonne soirée. Ciao.